On a envie de toucher, caméra sur sa rencontre surréaliste avec Brad Pitt. Ils reviennent en force, après avoir joué dans Bienvenue chez les Ch'tis, en 2008. Danny Bonne et Kamura se retrouvent sur un nouveau projet, le film La vie pour de vrai. À découvrir en salle le 19 avril prochain. À l'occasion de leur promotion, les deux acteurs ont été reçus par Nikos Aliaga pour l'émission 51 Cid. Diffusée ce samedi 15 avril 2023 sur TF1, le cinéaste s'est ainsi confié sur les coulisses de leur collaboration. Mais c'est surtout une anecdote de caméra qui a fait sourire Nikos Aliaga. En effet, l'animateur a voulu lui montrer des images datant de 2010, lorsque le compagnon de Julia Vignali rencontre pour la toute première fois Brad Pitt. Et il semblerait que l'acteur français ait été impressionné par la beauté de la star américaine. C'était un faux Brad Pitt tellement il était beau. Il est très très beau, déjà à l'époque. On se demande même si ce n'est pas faux, on a envie de toucher pour voir. S'il a été subjugué par l'ancien compagnon d'Angelina Jolie. Kamura n'a pas pu lui partager ses sentiments. La raison? Je me souviens qu'il y avait Brad Pitt. Sa femme Angelina Jolie et je n'ai pas ouvert la bouche de la soirée. En effet. Il n'a pas dit un seul mot à l'acteur américain. Parce que je ne parle pas bien l'anglais. Enfin à l'époque. Maintenant, je suis complètement bilingue. Maintenant je peux anyway.